Je m'appelle Souleymane Yalaoui, j'ai 17 ans, je suis au club de l'Entente Athlétique de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je suis en terminale générale. J'aimerais faire de la finance plus tard. Et donc, c'est pour ça qu'après le bac, je vais continuer sur une licence d'économie. J'habite à Élancourt, donc sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je suis cadet et je fais du 1500 mètres et 3000 mètres. C'est un sport individuel et très très dur. Mes qualités, c'est tout d'abord l'endurance. Je respire presque sans effort. Ce qui me plaît à l'e-ski, c'est le groupe. On a toujours eu un groupe sympa avec des jeunes et des plus vieux qui apportent leur expérience aux plus jeunes. Donc c'était toujours intéressant d'avoir cet équilibre et un bon niveau. Je suis au pôle de Fontainebleau, qui est un pôle national et pôle olympique. Je m'entraîne 6 à 7 fois par semaine avec 3 séances sur piste, un footing long, une séance de côte et une séance de seuil. J'ai déjà été champion de France de relais mixte en 2019 lorsque j'étais minime. C'était un assez beau souvenir et la même année, j'étais le deuxième meilleur performeur français sur 1000 mètres. J'ai un record à 2 minutes 30 au 1000 mètres et 3 minutes 59 au 1500 mètres. Pour moi, Paris 2024, c'est un objectif et aussi un rêve parce que ça serait forcément très beau ici à Paris.